Cette histoire se déroula il y a de nombreuses années au Cham, où vivait un cheikh vénérable, l'un des saints serviteurs d'Allah. Il était imam et prêcheur. Une nuit, il vit en rêve le prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui lui dit « Dis à ton voisin, un tel, qu'il est mon compagnon au paradis ». Le cheikh se réveilla rempli de joie et de bonheur à l'idée d'avoir vu le messager d'Allah. Cependant, il fut surpris car son voisin était un homme ordinaire, un épicier qui achetait et vendait. Le cheikh se rendit chez son voisin comme le lui avait ordonné le prophète et lui dit « Par Allah, j'ai une bonne nouvelle pour toi de la part du messager d'Allah ». L'homme fut extrêmement heureux et dit « Louange à Allah, mille fois louange à Allah pour ses bienfaits et sa grandeur ». Puis l'homme demanda « Quelle est cette bonne nouvelle ?» Le cheikh répondit « Par Allah, je ne te dirai pas cette bonne nouvelle avant que tu ne me parles de ce que tu fais pour te rapprocher d'Allah et ainsi mériter une telle récompense ». L'homme refusa de lui dire, mais après de vives insistances de la part du cheikh, le voisin dit « Bien, je vais te raconter mon histoire, même si j'aurais préféré la garder entre moi et mon Seigneur, exalté soit-il ». Il dit « Il y a plusieurs années, j'ai eu l'intention de me marier selon la sunna d'Allah et de son messager. Et j'ai trouvé une fille d'une grande beauté et je l'ai trouvée appropriée pour le mariage. Je l'ai demandée en mariage à sa famille et l'ai épousée un mois après les fiançailles. Mais un mois après notre mariage, j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez elle. J'ai remarqué que son ventre grossissait et gonflait. Je me suis dit, est-il possible qu'elle soit enceinte et qu'il ne se soit écoulé qu'un temps très court depuis notre mariage? Elle doit être une fornicatrice et l'enfant n'est pas de moi. Ma femme ne sortait jamais de la maison et ne recevait personne chez elle, comme si elle avait peur que les gens découvrent sa grossesse. Mais je ne lui ai rien dit jusqu'à ce que 5 mois se soient écoulés depuis notre mariage et elle était enceinte de 9 mois. Je suis allé la voir et j'ai crié sur elle jusqu'à ce qu'elle avoue son crime odieux, qu'un homme l'avait trompée et avait commis l'adultère avec elle avant qu'elle ne l'épouse. Ici, l'homme dit, j'aurais pu la divorcer, et cela aurait été juste. J'aurais pu la dénoncer, et cela aurait été juste. Et j'aurais pu mentionner la raison. Les gens et la loi auraient été de mon côté, car elle était une femme adultère. Mais je me suis isolé, et j'ai renoncé à la divorcer. Je voulais l'encourager à se repentir et à retourner à Allah, le Tout-Puissant. Lorsque le moment de son accouchement est arrivé, je suis allé la voir en pleine nuit pour que personne ne sache de son accouchement. Elle a donné naissance à un garçon. J'ai attendu jusqu'à l'heure de la prière. J'ai caché le bébé sous mon manteau et je me suis tenu devant la mosquée jusqu'à ce que l'appel à la prière soit lancé. L'imam et les gens sont entrés dans la prière. Alors j'ai placé l'enfant derrière la porte et j'ai rejoint les fidèles sans que personne ne me voie. Lorsque la prière a pris fin, les fidèles se sont rassemblés autour du bébé qui pleurait à tue-tête et ils ne savaient pas quoi en faire. Je suis allé vers eux et j'ai dit « Bonne nouvelle si Dieu le veut, que se passe-t-il » Ils ont dit « Viens voir, c'est un enfant abandonné et nous ne savons pas quoi en faire. » J'ai dit « Je vais m'en occuper, donnez-le-moi. » Je l'ai donné à sa mère et je l'ai protégé du scandale. Elle s'est repentie à Allah le Tout-Puissant avec un repentir sincère et est devenue une femme très pieuse. J'ai confié cet acte à Allah et j'ai décidé de ne raconter cette histoire à personne jusqu'à ce que tu viennes. » Le cheikh s'exclama, « Subhanallah, le messager d'Allah, paix soit sur lui, est venu vers moi pour t'annoncer que tu es son compagnon au paradis. » Notre bien-aimé a certes dit, « Quiconque couvre un musulman, Allah le couvrira dans ce monde et dans l'au-delà. » Et certes, Allah est au secours de son serviteur tant que celui-ci est au secours de son prochain.